Puissant rituel de retour à l'envoyeur. Oui. Parce qu'il y a des personnes ici, d'ailleurs, qui passent le temps à faire que du mal aux gens, sans recevoir aussi en retour. Oui. On peut faire le retour à l'envoyeur. Donc, c'est un retour à l'envoyeur plus protection. Pour se protéger de toutes les problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, contre la sorcellerie, contre le maraboutage ou autre force de mal. Et en même temps, préserver, ou attirer la chance, les bonnes opportunités dans sa vie. Pour chasser les mauvaises ondes qui ralentissent, l'évolution dans votre vie. Pour chasser les ennemis qui ne veulent pas du bien de vous. Pour protéger ta boutique, ton commerce, ton entreprise contre tout ce qui est mauvaise jalousie, etc. Si tu es persécuté dans ton sommeil, les hommes de nuit, les femmes de nuit, les sorciers, etc., tout ça là. Les ennemis qui veulent réduire, te réduire en cendres. Ils veulent pas ton succès. Trop de mauvais yeux autour de toi et dans ta famille. Quiconque cherchera encore à te faire du mal aura la colère de la nature et sera anéanti par son propre piège. Parce que tout se paye ici-bas. Rituel très très puissant. Ça ne blague pas, je vous dis. Ça ne blague pas. C'est-à-dire le mal que la personne va faire contre vous retournera immédiatement contre lui. Alors, bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. J'adore cette partie-ci-là. Parce que c'est où je vous dis, je vous invite à vous abonner, liker. Même quand vous ne likez jamais, cliquez sur la cloche, partagez, même quand vous ne partagez jamais, d'accord? Etc., etc. J'adore cette partie. Mais vous ne le faites jamais, je dois toujours vous demander de partager et de cliquer, de liker, etc., etc. Il est important de le faire pour aider d'autres personnes. Ok, mes amours, mes guerriers, mes guerrières. Très important de liker la vidéo parce que si vous ne likez pas la vidéo, YouTube ne met pas la vidéo en avant pour aider d'autres personnes, pour que d'autres personnes le voient. Si vous ne partagez pas, vous n'aidez pas quelqu'un d'autre. À quoi alors moi je viens vous aider ici si vous n'êtes pas capable d'aider d'autres personnes? Vous m'avez compris. Entre parenthèses, alors, pour ce rituel, il vous faut une grosse bousse de piment de Guinée, un plat blanc, bien évidemment, ça ne manque jamais dans mes rituels, la cola rouge ou la cola blanche, je ne sais pas, depuis que j'ai retiré ma cola du congélateur, dans sa cabosse, je l'ai mis au frigo, elle n'arrête pas de sécher. Alors, grosse bêtise, mais ça travaille toujours. Pour vous qui rapportez les colas de l'Afrique, je ne sais pas comment ça se conserve, moi j'ai l'habitude de le conserver dans sa cabosse, je le rapporte directement dans la cabosse. Donc, je n'enlève pas de sac à dos. Je vous ai montré dans une des vidéos. Et je le conserve au congélateur. Et à chaque fois que je veux travailler, je l'enlève et je retire de sac à dos pour travailler. Mais depuis un temps, j'ai retiré une grosse cabosse. J'ai travaillé juste un peu avec une partie. Et le reste, je l'ai laissé au frigo. Et au frigo, je constate que non. Ça ne fonctionne pas, ça ne tolère pas le frigo. Donc du coup, elle sèche, mais elle est toujours valable. Cola rouge ou cola blanche, peu importe, une poche blanche. Ce rituel se fait le jeudi soir avant d'aller vous coucher. Très important, ça se fait le jeudi soir avant d'aller se coucher. Alors, vous allez venir ici prendre le piment de Guinée, vous allez ouvrir votre piment de Guinée sans perdre aucune graine. Il est très important de ne perdre aucune graine du piment de Guinée que vous allez ouvrir. Mettez-le dans votre poche
blanche, d'accord? Mettez-le dans votre poche blanche, toutes les graines, d'accord? Ensuite, vous allez mettre les colas également et puis vous allez l'attacher. Vous l'attachez bien. Vous allez le poser sous votre oreiller. Vous allez dormir dessus pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Donc, quand je dis 3 jours, du jeudi à dimanche. Parce que je ne sais pas si je vous ai dit que le rituel se faisait le soir du jeudi. Donc, du jeudi, 3 jours, vous le faites le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le dimanche, d'accord? Le dimanche matin, ce dimanche matin très tôt, sans parler à quiconque, sans parler à personne, qui que soit, prenez votre poche sous votre oreiller, retirez tout simplement la cola. La cola, vous retirez une de votre cola, vous retirez la cola. D'accord? Et puis, vous allez dire cette prière. Toi, mon Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui connais tous mes ennemis. Moi, je ne les connais pas. C'est toi qui connais leurs plans, mon Dieu. Ceux qui me persécutent, moi et ma famille, ceux qui ne veulent pas que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Ce qui me rend faible et malade, ce qui veulent ma mort, ce qui ne veulent pas me voir heureuse ou heureux, ce qui ne veulent pas que je puisse me marier et fonder une famille, ce qui ne veulent pas l'évolution de moi et mes enfants. C'est toi qui les connais, mon Dieu. Moi, je ne les connais pas. Mais je te les confie. Sois mon défenseur. Sois mon protecteur. Sois mon bouclier. Sois ma gloire. Au nom du Tout-Puissant Créateur de l'univers que tu es. Amen. Je vais répéter. Pour ceux qui n'ont pas compris, je sais que j'ai un problème d'articulation, mais je l'arrange peu à peu. Je suis tous vos conseils que vous me donnez, hein, je ne néglige rien. Des reproches, d'ailleurs, j'adore les critiques. Pourquoi? Parce que, bon, des critiques valables, hein, pas de n'importe quel genre de critique. Des critiques valables et je tiens compte à cela. Vous voyez que j'ai aussi beaucoup amélioré mon français grâce à vous. Alors, je vous dis merci, mes guerriers, mes guerrières. Alors, nous allons reprendre. Vous sortez votre cola, d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Vous tenez votre cola à la main. Vous allez faire cette prière. Toi, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui connais tous mes ennemis. Moi, je ne les connais pas. C'est toi qui connais leur plan, mon Dieu. Ce qui me persécute, moi et ma famille. Ce qui ne veulent pas que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Ce qui me rendent faible et malade. Ce qui veulent ma mort. Ce qui ne veulent pas me voir heureux ou heureuse. Ce qui ne veulent pas que je puisse me marier et fonder une famille, ceux qui ne veulent pas l'évolution de moi et mes enfants. C'est toi qui les connais, mon Dieu. Moi, je ne les connais pas, mais je te les confie. Sois mon défenseur, sois mon protecteur, sois mon bouclier, sois ma gloire au nom du Tout-Puissant Créateur de l'univers que tu es. Amen. Une fois que tu as dit ça 3 fois, tu vas croquer ta petite cola et tu vas prendre 3 graines. 3 graines de ton piment de Guinée racheté dans ta bouche et le mâcher lentement. Lentement, tu vas le mâcher
lentement en visualisant toute la prière que tu viens de dire. Si tu veux, tu peux toujours le répéter pendant que tu marches, d'accord? Tu marches et après tu vas l'avaler. Je sais que le piment, ça pique et la cola est amère. C'est ça le but, d'accord? Cette prière doit se faire sur 7 jours, dont 10 jours pour le rituel. Je vous ai dit avant 3 jours et maintenant vous allez rajouter 7 jours de prière sur les 3 autres jours. Ça va vous faire 10 jours au total. Attention, attention. Pendant la prière, ne prononcez ni visualisez le nom de la personne, même si tu connais qui est ton ennemi. Visualise juste ta prière. Je dis bien, attention, pendant la prière, ne prononce ni visualisez le nom de la personne, même si tu connais le nom de ton ennemi. Évite que ta conscience te juge après. Laisse tout dans les mains de Dieu, c'est-à-dire laisse que le Seigneur s'occupe, car il est intelligent et voit tout. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.